bienvenue à Yverdon-les-Bains pour votre désormais traditionnel forum économique roman. Pour cette 13e édition, donc forum, on souhaitait mettre l'accent sur le client. Acquérir des clients, c'est facile. Par contre, acquérir, c'est bien, mais après, il faut garder. Alors, soit garder en offrant des produits imbattables, généralement qui ne sont pas les plus rentables, ou alors, il faut mettre un peu d'humain dedans, il faut mettre quelque chose, un peu de vie, un peu de relation, autre chose que simplement des contacts électroniques. Donc, toutes les industries aujourd'hui sont face à ces changements. Il y a un changement technologique, mais aussi un changement culture d'ADN à mettre dans nos sociétés pour avoir cette orientation un peu plus client. Donc aujourd'hui, une société qui vit la culture client va donner 3, 4, 5 moyens différents à ses clients de le contacter, de dialoguer, et souvent même de dialoguer d'une façon extrêmement transparente pour les autres, à travers des communautés ou des forums. Vos clients, ils attendent des services aussi simples à utiliser, aussi performants que ceux que leur offrent Google, Amazon, Uber, Facebook, etc. Ça, ça met une pression sur le service client qui est absolument gigantesque parce que la barre est fixée très très haut. Ça nous donne l'occasion d'entendre des conférences qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir. C'est d'avoir l'opportunité d'échanger avec ces gens-là par rapport à ces sujets. Ça nous amène beaucoup de rencontres. C'est très enrichissant de pouvoir discuter avec d'autres entrepreneurs des problématiques autour de la gestion des clients. Au niveau relation networking, c'est quelque chose de très prometteur. J'ai essayé effectivement de vous démontrer pendant ma présentation que ces données de mobilité, ces profils de déplacement auront un rôle système à jouer pour permettre de gérer à la fois le trafic des voyageurs mais aussi d'optimiser l'exploitation des opérateurs. Mais par contre effectivement il faut qu'une gouvernance appropriée se mette en place pour éviter effectivement le monopole, pour éviter qu'une société ait en charge et regroupe en fait l'ensemble des données. Il est déraisonnable de croire que l'on peut régater avec une machine au jeu de l'analyse des données. Je peux déléguer l'optimisation des données au machine learning de Google. Cela me permet de me focaliser sur des aspects plus importants de mon travail, plus stratégiques pour mes clients, où mon expérience et mon raisonnement humain font la différence. C'est en tout cas l'oxygène que m'a apporté l'intelligence artificielle. On n'a pas de clients, on a une communauté. Puis la grande différence avec ça, c'est que le traitement, il est complètement différent. Ça devient hyper intéressant parce que c'est plus nous qui nous situons en tant que vendeurs éventuellement, mais c'est vraiment la communauté qui va venir et qui va conseiller en fait les autres membres de la communauté. Donc on aura une pertinence au niveau de l'information qui sera beaucoup plus intéressante que quand on met, je sais pas, le product manager chez Sony pour répondre aux questions. Nous avons décidé de déménager le forum principal qui a lieu aujourd'hui l'année prochaine. Il aura lieu au Convention Center de l'EPFL à Lausanne. Une des raisons était de pouvoir donner aussi plus de place à nos partenaires, de pouvoir amener de la technologie. À vous de nous avoir suivis de l'autre côté du poste. On espère que vous serez nombreuses et nombreux à vivre les prochaines éditions de ce forum. Notez dans vos agendas, le 29 août prochain, ça aura lieu au Swiss Tech Convention Center. N'oubliez pas, on compte sur vous pour votre présence.